Cette estacade est en fait très particulière pour nous parce qu'elle représente le lien entre la ligne à grande vitesse qui va relier Tours à Bordeaux avec le centre-ville de Poitiers. Vous savez que ça avait été une décision très forte poussée par Alain Claisse notamment de faire en sorte que les TGV desserte le centre-ville de Poitiers et non pas une gare à l'extérieur de la ville. Donc cet ouvrage qui est exceptionnel, qui relie la ligne à grande vitesse au centre-ville de Poitiers, va permettre en fait aux passagers qui viendront soit de Bordeaux, Angoulême ou de Paris d'arriver directement en plein centre-ville. C'est un ouvrage exceptionnel puisqu'il enjambe un réseau d'infrastructures routières et ferroviaires très dense et avec une estacade, c'est un pont à 1000 pattes, donc avec un grand nombre de piles de plus de 900 mètres, va permettre de raccorder cette ligne à la gare. Alors cette estacade est indispensable puisqu'elle permet de relier la LGV à la gare de Poitiers. Or c'est cette gare de Poitiers qui accueille le TER aujourd'hui et c'est évidemment très important que les voyageurs qui sont en TGV puissent monter dans un TER et réciproquement. Aujourd'hui, près d'un quart des voyageurs qui arrivent par le TGV en gare de Poitiers montent dans un TER. On ne peut pas perdre cette clientèle-là. Et il fallait, pour l'exploitation du TGV et du TER, avoir cette intermodalité.